Salut à tous et bienvenue dans Ascenseur pour le live. Et voilà, il fait froid, les feuilles sont tombées des arbres, et oui les amis, nous sommes en hiver. Mais qui dit hiver, dit fête de fin d'année. Cette période tant attendue qui vient égayer cette longue saison fraîche où l'on passe du bon temps en famille à se remémorer les belles histoires de Noël. Eh bien, laissez-moi vous conter la merveilleuse histoire de la petite Maïwenn. La petite Maïwenn est l'heureuse propriétaire d'un tout petit dragon qui vit en général caché dans sa trousse. Alors qu'elle le promène dans un bois, son ami Thomas l'aperçoit et croit que la petite fille est prisonnière du dragon. C'est bien connu, les dragons adorent retenir les petites filles prisonnières. Il se met alors en tête de la délivrer. C'est le début d'une aventure rocambolesque qui mènera Maïwenn et Thomas au cœur du pays des dragons. S'écrit alors le troisième opus de l'aventure, commencé en 2012 par Arnaud Le Guéflec, John Trapp, Chapi Chapeau et Laurent Richard. Chanson Dragon, un concert dessiné, une forme scénique qui anime les quatre complices depuis Chanson Tombée de la Lune et Chanson Robot. Regardez. Il y a des secrets pour rire, des secrets qu'on raconte à tout le monde, mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas dire, car le silence est d'or. Moi je cache mon trésor, personne ne sait ce que j'ai dans la poche. Heureusement sinon ça leur foutrait les pétoches. Et voici pourquoi, juste de vous à moi, j'ai un dragon rien qu'à moi. On a toujours besoin d'un dragon quand l'hiver est coriace, pour faire fondre la glace. On a toujours besoin d'un dragon quand on est dans la dèche, pour rallumer la mèche. On a toujours besoin d'un dragon pour effrayer les chiens du quartier coucou spanier. On a toujours besoin d'un dragon pour calmer les angoisses, c'est le plus efficace. Se faire tout petit, il se cache la nuit dans un trou de souris. Au matin c'est plus facile, je planque sa carcasse au milieu des crayons dans ma trousse de classe. Mais le soir après l'école, quand personne ne voit, il quitte sa camisole et ses ailes déploient. Il reprend toutes ses proportions, il a besoin de place, il lui faut de l'espace. Toujours besoin d'un dragon quand l'hiver est coriace, pour faire fondre la glace. On a toujours besoin d'un dragon quand on est dans la pêche, pour rallumer la mèche. On a toujours besoin d'un dragon pour effrayer les chiens du quartier coucou spanier. On a toujours besoin d'un dragon pour calmer les angoisses, c'est le plus efficace. On a toujours besoin d'un dragon. On a toujours besoin d'un dragon. On a toujours besoin d'un dragon. On a toujours besoin d'un là. Ma vie n'était que grisaille, je m'ennuyais, tête baissée, j'étais complexé par ma taille. Quand tout à coup une vision m'assaille, dans la forêt se balade une poupée, en compagnie d'un drôle d'épouvantail. Ah oui, pour une trouvaille, c'est une trouvaille. Un dragon haut comme le pouce, qui devient plus grand que nous tous et déploie ses écailles.
est venu de mettre son chandail, tricoter sa côte de maille et coiffer son casque de chevalier, serrer les boulons de son bouclier. L'heure est venue, je vais livrer bataille et lui donner un coup sur le kiss. Alors on me décernera une médaille et un diplôme de chasseur de drague. Je serai le plus grand des samouraïs, mais plus que tout je serai celui-là qui délivra la fille des bois des griffes de cette canaille. Cette canaille. Chanson Dragon, bonjour. Bonjour. Bonjour.
drôle d'aventure, un concert dessiné. Mais comment est née l'idée ? C'est grâce à monsieur, c'est à cause de monsieur, Laurent Richard, qui est illustrateur jeunesse au long cours, à qui on doit au moins 200 de livres pour enfants. Et puis un jour, on avait un projet tous les deux de BD pour enfants, BD jeune public. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rapproché de ces messieurs, Chapi, John Trapp et puis Jacques Delgado, pour mélanger en fait les deux univers dans lesquels moi je vivais depuis longtemps, c'est-à-dire d'un côté la musique rock, puis de l'autre côté le scénario de BD, et puis on a eu l'idée de tous fusionner au sein d'une entité monstrueuse qui s'appellerait donc Chanson tombée de la lune, et qui ensuite a muté encore une fois en chanson robot, et qui à l'heure actuelle est en train de muter une nouvelle fois pour donner chanson dragon. Un troisième opus donc, comment voilà. Écrit-on un concert dessiné ? Est-ce que tu peux répéter ? Comment écrit-on un concert dessiné ? Comment écrit-on ? Oui, c'est un concert dessiné. Le premier, en fait, c'est vraiment une histoire en trois temps, c'est-à-dire qu'on a appris un peu sur le tas, et le premier s'est fait vraiment au fil de la création de chansons. On a essuyé les plâtres, on a expérimenté un peu comme ça la chose. Le deuxième, on l'a pensé de manière plus concertée, comme une histoire globale, comme un conte, presque comme une petite comédie musicale, entre guillemets. Et cette fois-ci, on avait envie de développer une écriture supplémentaire en termes de scénographie. Et donc, on a fait appel à une metteuse en scène qui s'appelle Céline Garnaveau, et aussi un créateur lumière qui s'appelle Vincent Queneau. Et donc, comment est-ce qu'on écrit un spectacle comme celui-là ? Ben aussi en collaborant avec des gens qui ont les compétences et les connaissances qui nous permettent de passer un peu, je dirais, de la 2D jusque-là à la 3D maintenant. On a franchi une nouvelle étape sur le plan de l'écriture. On a ouvert des portes qu'on ne connaissait pas encore, quoi. Comment est née donc cette histoire de la petite Maïwenn et son dragon ? Y a-t-il des spécialistes de dragons ici, entre vous quatre ? Est-ce qu'il y a des spécialistes de dragons ? Non. Toi, tu t'y connais, ton dragon. Hein. Il y en a un qui parle dragon. Ben, c'est mon fils qui s'y connaît vachement, mais donc je m'en suis servi un peu comme conseiller spécial. Mais il n'y a pas de prétention à l'érudition. Hein. Vos expériences, les concerts dessinés, est-ce que vous testez certaines choses justement avec vos enfants ? Je sais pas trop. Par la force des choses. Par la force des choses, ouais. Enfin, j'ai l'impression, enfin, vous me dites si je me trompe, mais qu'on a commencé à faire des spectacles jeunes publics quand on a eu des enfants, en fait. Enfin, ouais. Je crois que c'est un peu, dans notre histoire personnelle à nous, c'est un peu ça, quoi. On a eu des enfants, puis on a commencé à s'intéresser à ça. Une passion pour le plus jeune âge. Bah, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est l'occasion qui fait le larron un peu. Et jusque-là, on faisait des chansons pour enfants, mais pour les adultes. Et puis là, on s'est mis à faire des chansons pour enfants, mais pour les enfants. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un public, c'est un jeune public qui est visé, ou c'est un spectacle qu'on peut aller voir en famille ? Alors nous, on fait très attention à ce que les parents ne s'emmerdent pas. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, entre guillemets. On vient des musiques actuelles, comme on dit. Donc il y a une dimension rock et on évite toute... comment est-ce qu'on pourrait dire ? On essaie d'éviter les clichés un peu... de la musique pour les tout-petits. On essaie d'éviter la mièvrerie, on essaie d'éviter d'être cucu la praline, quoi, au maximum. Donc je pense que les grands y trouvent aussi leur compte, et puis c'est un peu notre démarche à nous, parce que nous, on voulait y trouver notre compte aussi. Et donc, voilà, tout le monde est content. La première sortie, quand est-elle ? La sortie de fabrique, entre guillemets, c'est le 14 février à la Carène, à Brest. Tout le monde y est invité ? Il me semble que vous faites des représentations aussi devant des classes. Oui, on joue devant tout public d'abord, et puis ensuite on joue devant les élèves de l'école Jean Rostand à Brest, où on a eu la chance de faire une résidence scolaire de 15 jours pour créer les chansons. On a résidé pendant 15 jours dans l'école, et donc...
C'est un peu aussi pour leur montrer à ses enfants avec qui ont vu le processus se mettre en place, leur montrer un peu la finalité de tout ça. Donc ils viendront nous voir, ils auront un spectacle rien pour eux à un moment donné dans cette semaine-là. Je crois que c'est le lendemain, le 15 février, je crois. D'accord, eh bien, on ne manquera pas de les suivre la petite histoire de la petite Maïwenn et son dragon. Et merci à vous, Chanson Dragon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Un concert dessiné, qui d'autre qu'un collectif de musiciens du Studio Fantôme pour imaginer ça? Un collectif pluridisciplinaire, un peu rock et un peu étrange, il faut l'avouer, avec un penchant pour l'expérimentation, focus sur ces quatre drôles créateurs d'histoires et de spectacles. Studio Fantôme, c'est un collectif d'artistes qui est basé à Brest et qui a une histoire assez longue, qui a démarré en 2002 par la création d'un label qui s'appelait l'Église de la Petite Folie, qui était voué à publier des disques et à les vendre. Ce label a ensuite décidé de créer des événements pour mettre en avant et valoriser les artistes du label. On a commencé par créer des petits événements qui s'appelaient les cabinets de curiosité. Et en 2006, on a créé un événement un peu plus important qui s'appelle le Festival Invisible et qui existe toujours. On a fêté la 12e édition il y a 15 jours. De cet événement et autour de ce festival est né un collectif d'artistes. Plusieurs artistes se sont connus, se sont retrouvés dans le cadre de ce festival. Et ils ont créé un collectif qui s'appelle le Studio Fantôme. Au départ, a été créé pour produire et diffuser un spectacle qui s'appelait Chanson tombée de la lune, donc un spectacle pour les petits. Et le Studio Fantôme est devenu en 2014 une véritable structure de production professionnelle grâce au soutien de la région Bretagne. Alors, le Studio Fantôme a produit l'année dernière un autre spectacle jeune public pour un artiste qui s'appelle Kim Jani, qui est basé à Paris, qui s'appelle Planète Fanfare. Donc, c'est un one-man band autour de la musique fanfare. Il y a aussi des comics animés dans ce spectacle. Donc, c'est un spectacle qui tourne beaucoup depuis la fin de l'année dernière et qui sera amené à tourner encore l'année prochaine. La prochaine date en vue dans le Finistère, c'est le 20 décembre à Cloire-Carnoët pour un spectacle de Noël. On organise aussi très bientôt une série de 3 dates pour la sortie du dernier album d'Arnaud Le Gouéfleck, donc le frontman de Chanson Dragon. Donc Arnaud, il sort un album qui s'appelle La Faveur de la Nuit, sur le label de l'Église de la Petite Folie, bien sûr, en partenariat avec une autre structure qui s'appelle Modulor, un distributeur national. Dans le cadre de la sortie de cet album, mi-décembre, on organise des concerts à l'Espace Vauban, à Brest, au Club Guinguette Pirate du Pouldu et au Café Chantier de Saint-Éloi, donc des cafés-concerts, des lieux culturels du département, dans lesquels on avait envie de faire des choses et avec lesquels on a envie de faire des choses. Donc tout le label et tout le collectif, le Studio Fantôme, se réunit autour de la sortie de cet album. Donc c'est des concerts d'Arnaud, John Trapp, accompagné d'Olivier Pollard, mais aussi de Centre du Monde, Garnet Wizips et Outil, qui sont donc d'autres membres du collectif et membres aussi du label. Ascenseur Pro Live, c'est terminé pour aujourd'hui et je suis sûr que vous mourrez d'envie de connaître la fin de l'histoire de la petite Maïwenn. Alors on se quitte avec Chanson Dragon, mais avant, vous le savez, vous trouverez dans l'agenda du mois toutes les dates en cette fin d'année. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt les amis, ciao ciao. We'll be right back.
l'amour viendra trouver ta poche. Laisse filer sans rien dire. Vivre dans une ville de prolo où il y a de moins en moins de boulot. Ça c'est brestois. Avoir la culture des patrons, qu'ils soient laïcs ou bien cathos. Ça c'est brestois. La route est encore longue, éblouie par les faisceaux lumineux. À l'intérieur de quoi?